Et bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Kazamania, bienvenue sur la suite de Costa Recon Wildlands. Petit pouce bleu si tu aimes découvrir ce jeu avec moi, les amis, et on continue donc la découverte où nous sommes donc dans un bled pourri qui s'appelle Buena Villa. Et on va aller récupérer un Intel critique qui se trouve ici, par ici. Alors c'est parti, ouais c'est par là. On va suivre la route tranquille, on va voir si ça fight ou pas. Moi je suis chaud de toute façon, j'ai les boys qui me suivent. On est dans la ville pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'emmerdes. De toute façon, alors attention, on voit qu'il y a des flics qui se trouvent à un certain endroit de la map. Je rappelle que les policiers sont des policiers pourris et véreux, les groupes NEDAT d'Intervasion, et qui te pètent ta gueule en 2-2. Est-ce que je peux passer par-dessus ça là? Ah non, je peux pas, merde. Ça m'aurait arrangé. Ça suit les boys ou pas? J'ai l'impression qu'ils sont en galère, mes copains. Alors, on va prendre l'arme de poing. On a des ennemis sur zone. Ok, on a des ennemis sur zone. Ça commence nickel. Alors, je vais faire un petit coup de... Le drone a décollé. Le drone. Comment ça se présente? Je désigne un capitaine. Vétéran, cartel de la Santa Blanca. Là, on a un truc à récupérer. J'en vois un autre. C'est un sicario. Un. Là. Numéro 3. Là. Avec lui, ça fait 5. Là, là, là. Ouais, là partout. Oh, mais là partout. Oh la vache. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ok, donc il y a un vétéran qui est là. Alors, on fera mieux peut-être de commencer par le. Par l'espèce d'immeuble là-bas. On va faire ça comme ça. On va commencer par l'immeuble. Il y en a partout. Un truc de dingue. J'ai un sicario par là. Fais voir où ils sont. À côté de la pile de pneus. Allez, venez. Est-ce que je peux en éliminer un? C'est quoi ça? Contrôlez vos cibles. On a des civils sur zone. Là, regardez, il y a une petite tête qui dépasse. Alors moi. Voilà, faut flinguer ceux qui sont dans les baraques. Alors pas ceux qui sont à l'extérieur parce que sinon on va voir qu'il manque des gens. Mais plutôt ceux qui sont dans les baraques. Passe pas là. Passe pas là, je te dis. Semblement les mecs. On recherche sur moi. J'y vais. Oh là, il y en a qui est en train de traverser comme un bœuf là, il va nous faire repérer. Je suis allé pour moi. Et on rentre dans l'immeuble après. Où je vous le donne? Bon, trop tard, je le flingue parce que je vois que. C'est pas décidé. Allez, on passe dans l'immeuble. Ok, en fait, on est dans les campements, on est dans le camp des sicarios. Sicarios. Alors, il y en a un peu partout. On va faire le ménage tranquille sur ceux qui sont solo. Voilà, il a l'air solo, ce fille. Voilà, il pue là. Ah si, repérez, repérez. Tu risques de te faire voir. Qui va... Wow. C'est celui-là, là, qui... T'as rien vu. T'as rien vu. Toi non plus. Oui, c'est un peu con quand même. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien. Non, en bas là. Non, juste en bas. Alors. Soupçonné. Bah oui, je veux bien, ils sont tous en train de crever un par un. Je veux bien qu'on soit soupçonné. Lui, il faudra le fumer, les gars, si vous pouvez. Là.
Bon, je vais le chercher, j'ai compris. Je me suis un peu énervé, mais il fallait. Alors, les gars. Je fais le ménage, je fais le ménage. On va continuer, hein. Tant que ça fonctionne. On va se faire un petit coup de drone. Alors, on a toujours un Gus là, un autre là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on l'avait pas vu. Là. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ok. Bon, on a fait un bon ménage quand même, hein. Allez, on va en fumer encore un ou deux qui dépassent, celui-là, là-bas. Bon, c'est faire paix. Et puis là aussi. Bon, bah préparez-vous à l'assaut. Préparez-vous à l'assaut. Eh bah on attaque hein. Ouvrir le feu. Allez. Engagé, on engage. J'engage l'ennemi. T'es le merdier toi. Allez gars, on engage. On enchaîne. On clean la zone. Allez, je vais vous faire un petit support. Je regarde, je regarde. Allez les gars, on engage. Sur votre gauche là, il y a un type. Hein. C'est bon, vous l'avez fumé. Putain, vous êtes beau, beau gosse, vous avez même pas besoin de moi. Ils s'entendent tout clean. Ah, celui-là, je peux me le faire. C'est bon. On a fini. Et ben, on se retrouve. On se retrouve là. Organisation presque parfaite. Bon, il y a eu un petit couac, on s'est fait repérer, on a dû fumer un peu tout le monde, mais finalement on était efficace. Faut leur faire confiance, hein. ils sont pas mal, les collègues. Là. Allez, on va aller par là. On a des informations. Il y en a un vétéran, eh bien, il y avait un vétéran à l'intérieur, il est toujours ou pas? On va passer en mode. Regroupement. Voilà, et on va passer un petit drone dans la baraque. Qui c'est qui hurle comme ça? Il y avait un vétéran tout à l'heure. Bon, il est plus, il a dû se barrer, on a dû le fumer. Ouais. Ne fais pas ça. T'inquiète. Allez, les mecs. C'est quand même des sacrés méchants, hein, pour garder des types en cage dans leur jardin, c'est que. Ils sont pas gentils, gentils. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Enquêter. Il est question d'un capitaine de l'Unidad qui refourgue des prisonniers à Yuri et Apolito pour interrogatoire. A tous les coups, il sait où sont nos tourtereaux. Le hic, c'est qu'il est dans une base de l'Unidad. Ah. Putain. Yeah. Yeah, 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 yeah. Est-ce que j'ai remis mon... Comment je remets mon silencieux, moi? Parce que autant là, il avait le silencieux, puis au moment où il l'a enlevé. Je vais avoir une touche silencieux, je pense. Je vais regarder vite fait dans les options. Dans le clavier souris. Alors. Rengainé. Rengainer, jumelle. Ouais, j'ai pas trouvé comment. C'est pas bien grave. En fait, là j'ai bien mon silencieux, mais je l'ai plus sur mon.
peut-être en mode de tir. C'est une très bonne question, il est bon. Bah je l'ai plus. Ah non, c'est mon canon ça. Bon, on va refaire ça comme ça. Hein. Après, s'il y a des pièces de mon arme. Là, normalement, j'ai bien un... Et là, j'ai bien un silencieux. Ok, bon, bah, je sais pas comment ça marche. Ok. Les tortures de Yuri et Polito, d'après vous? Ça, j'ai aucune envie de le découvrir. Ouais, mais je veux dire, là, on parle pas de trucs gentillés comme le waterboarding. C'est des trucs sales avec lésions permanentes. Ils ont aussi une formation médicale, donc j'imagine qu'ils ont les produits qui vont bien pour garder leurs victimes conscientes. Sauf qu'à l'époque, les vrais tortionnaires avaient pas besoin de drogue pour garder leurs victimes en état. Des amateurs, quoi. Clairement, vu le peu de gens qui survivent à leurs interrogatoires. Un vrai tortionnaire, un pro, il contrôle tout. Il sait où il va. Yuri et Polito, ils sont négligents. Ils se laissent emporter, ils font ça pour le plaisir, pas pour l'argent et encore moins pour l'art. Donc oui, le mec il s'en fout, il parle. Et moi je suis planqué dans le coffre. C'est brutal parce que c'est des bras cassés. Et puis c'est tout. Ah la vache, c'est énorme. Tout gentil, tout sourire, mais il faut pas t'énerver. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Là, il y a un truc. Là, c'est quoi ce petit signe avec des documents? J'ai envie d'aller voir. Et puis là, il y a la... les marchandises à récupérer. Ok, donc on peut se cacher dans le coffre, dans les coffres de voiture. Ce qui peut être intéressant, surtout quand on joue en multi, que quelqu'un conduit pour nous faire rentrer dans un endroit en mode discretos. Hop, qu'est-ce de nourriture? Si, la nourriture. Amenez boy. Formation serrée. On va monter par là. Oh. Donc on peut rengainer avec la touche H. Effectivement, c'est plus commode. Ça a l'air moins teigneux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc d'enquête? Prendre document. Oye, Yuri, ça fait combien de temps qu'il est pendu là? Je ne sais, amour. 12 heures, je dirais? Il vit encore? Vérifie qu'il respire. Oh, elle est à moitié. Il est mort. Il a dû s'étouffer sous la capuche. Oh, vise un peu le gourdin. Merde, je t'avais dit que c'était trop serré. Alors, ça, c'est de la trique. Je vais lui enlever son pantalon. Yuri. Ah, et biscotto. Tu serais pas jaloux d'un mort? C'est quoi ça, Yuri? La vache! Sa schlingue l'a vite crevée! Et puis merde, il aurait pu faire l'effort de s'épiler! Putain, on dirait un chorizo qu'on aurait roulé dans du poil de chien. C'est quand tu veux pour m'aider à le descendre. On dirait une banane épluchée, enrobée de caramel et... Oups! Qu'on aurait fait tomber par terre chez le coiffeur. Yuri, arrête ça. Ça commence à retomber. Là, on dirait un toucan qui s'est pas rasé pendant un mois. Amour, por favor, arrête de coller ton dessus. Ok, c'est des cinglés. Et là, on l'a pas vu ça. Hein. On l'a pas vu celui-là. Yuri et El Polito. Donc les tortionnaires. Présente la nuit où l'agent des stuperies qui Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca. Ricky, et les deux autres, c'était la Yuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. On n'est pas belle. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un butchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait d'Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et El Polito le font parler.
Il brise les gens. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Sueño le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval, et Sueño l'a exécuté. Bref, c'est de la sacrée pourriture. Donc on va laisser les fumer, ces petites racailles de merde. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme naissance d'une rébellion ? Le colonel de Pakatari est au bord de la défaite. On va les aider. Si on les aide à inverser la vapeur, on pourra compter sur son appui par la suite. Ah, c'est toujours l'histoire du convoi. Oh, putain. On va prendre un hélico, du coup, hein. Allez, je regarde, il y avait un hélico sur la map. Allez, il était... Il est au nord. On va faire un petit anote, voilà, sur l'hélico. On récupère l'hélico. Et... On bouge. Alors, est-ce que je peux sauter sans trop mourir? T'as perdu un peu haut, quand même. Non, ça va. Quand on est des vrais, nous. Du coup, on va activer la mission. Mission principale, voilà. Certain Fuentes, capitaine de l'Unidad, travaille avec Yuri et Polito. C'est pas ça que je veux. Interrogez-le et découvrez ce qu'il peut nous apprendre. Oh bah si alors. Si, pourquoi pas. Attends, t'excites pas. Le commandant d'Armadillo. Non, on va faire la naissance d'une révolution. Voilà. Qatari est au bord de la défaite. Si on les aide à inverser la vapeur, on pourra compter sur son appui par la suite. Ah bah peut-être essayer de shooter le convoi, mais pas l'hélicoptère, tu vois ce que je veux dire. Ça me paraît chaud quand même. Bon allez, on va tester. De toute façon, on a un convoi à shooter. Je prends le manche. Oh oui. Allez, grimpette, les boys. On y va. 3 km 7. C'est parti. C'est quelque peu chiant à piloter, je trouve. C'est bon, y a pas de casse. Ah, y a une unidad ici, vous avez vu. Un groupe de flics. Flicaille. Allez, faut grimper. Arrêtez et marquez le convoi de la Santa Blanca. On va essayer de faire ça bien. Alors j'imagine que là en haut de la montagne il doit y avoir quelque chose, non? Il n'y a pas des méchants là-dedans? Si, un peu. C'est pas là où on avait fait notre premier ménage à la mission 1, hein? Ça y ressemble un peu. Si, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'endroit où on avait fait le premier ménage. Alors c'est un convoi donc ça bouge apparemment, hein. J'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur quand ça va s'ouvrir comme des bites. Allez, on va redescendre. Ouais, il y a un convoi ici. Ah ouais, ok, d'accord. C'est le fat convoi. Bon, bah c'est parti, hein. On va approcher. Dès qu'on est prêt, j'ordonne l'assaut. Ah, c'est le fat convoi bâtard comme la dernière fois. Chier. Bon, on a l'avantage d'être en hélico. Est-ce que ça va suffire? Mais bon. Niveau pilotage, c'est un peu la merde. Je vais mettre plutôt sur la droite parce que vu que j'ai 2 types à gauche, il faut pas qu'ils meurent par contre. Bon, les boys, êtes prêts? Allez, j'ordonne l'assaut. Bien compris, faut tirer maintenant. Allez, Zou! Fumez-moi ces bâtards! J'attaque, le camion est en train de dégager. C'est la merde, il y a l'unité qui réplique. Ah,
Alors. Alors ça touche ou pas? Allez mec, bordel de chier. Bon, je m'en rapproche, j'ai compris. Allez, tirez-moi là-dedans le tas, bordel de merde. Boum. Bien joué. Allez, deuxième escorteur. On y va. Attends, accélère, accélère, accélère. Je remonte, on va sur le deuxième escorteur. Je vois que vous êtes chaud, les mecs. Je vois que vous êtes chaud. C'est parti. Et après, on n'aura plus qu'à se faire le camion. Normalement. On est bon. Tu veux regarder s'il y a du matos potable dans le camion? Non, non, non. Tout droit. Escorteur, s'il vous plaît. Allez, on allume là. Boum. On passe à côté d'une ville pleine d'ennemis. Alors ça va être chaud la bite. Garage à blindé. Ah, ah, je suis touché. Je suis touché, on est touché. On va s'écarter un peu. Putain, vache. Oh, ça pète de partout, c'est le bordel. Allez, l'escorteur. Allez, l'escorteur! Escorteur, bordel de chier! Bon, on va descendre parce que là, c'est galère. Allez, on va récupérer un véhicule. Ah bah non, c'est bon, il est arrêté, super. Tout va bien, on paye le ça bouge par là. On y va, on y va. Il y a un convoi de l'Unidad. Une unité de transmission sous escorte. Voyez-vous. Le matos du camion radio pourrait servir aux rebelles. Convoi. Tu veux qu'on le récupère? Balisé. Oh, t'avais pas vu toi. On peut dégager. Il suffit de dire aux rebelles de passer récupérer le matos radio. Tu foutais là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Silencieux. Appuyez sur F pour fixer au retir. Ah, c'est F. Ok. Quand je vise. Ok. Ok. C'est bon les mecs. Help. 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 Vous l'avez eu ou pas? Allez, on va se prendre une bagnole et on va se barrer de ce coin pourri. Allez, arrête-toi, toi, descends. Descends. Merci. Ah, désolé, mais... Mais vous savez tout. Attachez vos ceintures. Le bras droit du patron, l'homme qui lui suit. Je conduirai plus jamais, hein. Celui qui rendait la justice. Allez, où êtes-vous? Vous êtes peut-être pas au courant, mais Ricky se comportait bizarrement ces derniers. Allez. Bon. Ça arrive à tout le monde de taper un peu trop sec dans sa Jean-Mich. Personnelle. Mais quand on a un pote qui force un peu trop sur la défense. Allez, on se barre. Collecter les intels sur les opérations, sur une opération rebelle. Ok, c'est juste à côté, on y va. Pas comme ça. Pas comme ça, boulet. Allez, on passe en mode de Ghost Recon, les mecs. Sur moi. Mobile. Allez, en mode. On est traqué encore. Hein. Est-ce que je peux grimper dans les arbres ou. Allez, on va faire un petit coup de drone. Pas le drone. Là, il y a une base ennemie. Vraiment ici, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette arnaque? Bon, allez, on y va, les types. Arrêtez de vous barrer dans tous les sens. Suivez-moi. On va faire le petit tour par là. Allez, du calme, j'entends parler. Des mecs dans la baraque. Désigne la cible. Attention aux environs immédiats.
Ah ouais, on est traqué, donc les mecs ils sont tous en mode combat. Ok, j'ai compris. Bon, de toute façon, on va y aller, hein. Coucou. T'es où? Toi, t'es là? Ennemi abattu. T'étais. Bah écoutez, feu à volonté, hein, on y va, hein. Ouf. On se rassemble, les feux à volonté. On se regroupe. Bien compris. Tout le monde est prêt? Feu. Allez, c'est parti, les boys, on y va. Bien compris. On allume la totale. On clean la zone. Oh putain! Grouille! Bon, on peut enlever les silencieux là. Niveau 4. Là, oula. Concentration du case. On est toujours engagé. Il y en a qui a montré sa tête là. Bon, c'est bon ça. C'est bon aussi. Là-bas. Enflammable. Ça va péter là-bas. Attention à vous les mecs. Il reste toujours un en haut là-bas. Oh, je l'ai vu à travers le sac, c'est bon ça. On est où là dans la période de clean? Ça a l'air pas mal. Allez, on va libérer Jean-Luc. Ça fait une cible de moi. Allez les gars, pendant que vous cleanez, moi j'ai ramassé 2-3 merdes. C'est ça que je veux? Non, c'est pas ça. C'est ça. Bon, oh, c'est quoi ça? Ah bah c'est un collègue, ok. Donc il va nous aider j'imagine. C'est bon, tout est clean? T'as l'impression? Weaver? Ah, il en reste encore dans une baraque, non, ici? Alors, attention aux civils. Bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal cette zone. Alors, localiser les points de compétence, localiser les raids logistiques. Oh, les points de compétence, allez où? 7 emplacements de points de compétence. Bon, on ira savoir plus tard. Ah, il en reste encore un quelque part. Il est repéré ou pas? Ah, il doit être au-dessus, je pense. Il doit être au-dessus. Oh, on va laisser notre... C'est bon, on a fait le ménage. Parfait. Cherche la Yuri et El Polito. D'ici là, vous pouvez faire autre chose pour nous. J'ai préparé un discours pour le peuple de Bolivie. Un appel aux armes que nous diffuserons depuis Itaqua. La Santa Blanca enverra forcément des troupes pour couper le signal dès qu'elle entendra ça. C'est bien ça le problème. Il faut qu'une personne de confiance trouve un émetteur radio et le protège jusqu'à la fin de la diffusion. Ok, Katari, on fera le nécessaire. Bon, même beaucoup là. Oula, qu'on défende une position radio pendant qu'il y a un message qui passe. Laisse tomber, toi. On va se faire allumer. Salut Jean-Michel. Alors, ça va où que ça se passe? Salut. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Sang. Oh la vache! Vous avez vu ce qu'ils avaient? Apparemment qu'on n'est pas passé devant, hein. On se s'est fait allumer. Je vais tester ça. Ah, c'est solide un 4x4 quand même. C'est rien, c'est moi, je m'amusais. Allez, on va refoutre les... On va refoutre les silencieux en tout genre.
Ta gueule. Regarde, espèce de cinglé. Alors, il reste encore des trucs à des caisses à récupérer. Médaille du cartel. Hein? Un sicario qui va s'en bouffer les couilles. Médaille bonus. Médaille bonus débloque un bonus lié à une compétence donnée. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, moi. Ah, c'est ça. Prendre la médaille. Vous pensez que ça ira avec mon uniforme? Leader né. Voir les compétences. Oh, c'est marrant ça. On peut débloquer des bonus. Leader né. Ah, d'accord. Ça me fera un bonus en plus. Ok. Alors, par contre, j'ai des points de compétences que je peux effectivement activer. On va mettre un peu en physique. Oh non, la vitesse de reste, c'est pas mal ça. Parce qu'on a tendance à crever quand même. Allez, vitesse de reste. The race. She's like the wind. Ok, bon bah c'est pas trop mal. Parce qu'on a une petite mission pas trop loin là. La base dit Taqua. Bon, on les a fumés. Tellement bien. Il y a tellement fumé. Oh, il y a un truc ici. Celui n'est pas encore découvert. Trouvez votre drone, vos jumelles, vous passez la frontière pour collecter des informations dessus. Tiens, bon, on va aller voir. Hein. Allez, les amis, on y va. Direction. Il reçoit les autres traits de caractère. Oh, ta gueule. On est parti. Allez, les gars. Bloop là. Ils font peur, ouais, avec leur message. C'est une vraie secte, leur truc. Ok. Et bah, c'est là où il y a un truc rouge, donc on va y aller. Alors, moi, il y a les modes. En mode ghost. Et oui, un peu plus ghost que tout à l'heure. C'était pas très ghost tout à l'heure, c'était un petit peu boing-boing. Mais bon, c'est pas grave. 160. Oh, c'est un truc radio d'ailleurs, non? C'est en hauteur, on dirait. Ah non, c'est en hauteur, le point qui est en hauteur. Ah, mais d'accord, une baraque. Ok. Et bon, on va fumer tout ce beau monde. Imaginez grandir dans ce trois rats. Pas de pognon, à peine un toit. Pas de quoi bouffer trois fois par jour. Alors, on va marquer une synchro là-dessus. Quel boulot? Cultiver les champs de coca pour quelques pièces jaunes par jour? Moi, je rejoins la Santa Blanca. Je fais mes preuves, j'entretiens ma famille. J'oublie ce qui fait de moi un individu. Je fais des trucs horribles à des gens qui le méritent ou pas. Jusqu'au jour où je m'aperçois qu'il est temps de tourner la page. Ou bien le jour où des types se pointent pour me faire payer ce que j'ai fait. Bref, on est d'accord que c'est pas la joie niveau perspective d'avenir. Cible repérée. J'ai perdu ma cible. Va falloir que tu te synchronises, mon cher Jean-Luc. Alors, on a une cible qui est rentrée, donc qui est plus synchro. On en a bien une deuxième quelque part. J'en vois un autre. Ah, je l'ai pas vu, moi. Je sais pas où tu l'as vu. Bon, on va s'approcher en mode recon. Recon. Bon, les gars, c'est synchro ou pas la cible? Ah, oui, d'accord, il est à l'intérieur. Il y en avait. Comment, il m'a dit, j'en vois un autre. Ah, cool. Allez, deux. Allez, on avance. On se prépare pour une synchro. Eh ben, rapprochez-vous. Compris, je l'ai dans le viseur. La Casa del Mexicano. J'ai plus la cible en visuel. Attention. Une cible visu. Il y a une cible visu et pas la deuxième. Il y en a en hauteur. Il y en a un qui est juste au-dessus de moi. J'ai perdu ma cible. Bah, j'y vais. Reçu, cible désignée. Bah, vas-y. Tire synchro. Ah, il en reste un. Bon bah, feu à volonté les mecs, hein. Double feu.
Faites gaffe, ils savent qu'on prépare quelque chose. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. T'es bon là, toi ? Putain. Oh, bah tiens. Alors attends deux secondes, mon gars. Qu'est-ce qui a... Je récupérais la bouffe avant. T'es qui, toi ? Interroger. Une chance de t'en tirer, une seule. Alors, localiser des raids logistiques. Ah, c'est pour localiser des trucs. Eh ben, on va faire... Voilà, ça va, relax. Je vais tout te dire, ok ? On a moyen de faire d'une pierre deux coups, nuire la Santa Blanca et aider les rebelles. On va voler l'avion, l'amener à une piste d'atterrissage alliée et avertir Katari qui peut... Ouais, du calme ! Mener des raids logistiques pour gagner du matériel en grande quantité. Utiliser... pour localiser les cibles de raids logistiques sur la carte. Utiliser le matériel pour débloquer de nouvelles compétences. Ça va être... C'est quand tu veux, j'attends ton signal. Et puis voilà, on avait une petite on avait un petit dossier là. Ah oui, dossier c'est ça. D'accord. Ouais, OK, on a rien d'autre. OK, très bien. Mais c'est pas trop mal, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympathique le Ghost Recon en monde ouvert. Moi ça me plaît bien. Donc n'hésitez pas à agir, à laisser un petit commentaire, à me dire vous ce que vous en pensez de ce jeu, si vous y jouez, etc. En tout cas, moi ça me plaît bien, c'est cas, je vous embrasse, à très bientôt et à la prochaine, amis. Bye tout le monde.